la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. J'ai la voix qui dérange un peu à cause du froid, mais ça va. Comment vous allez? Je suis très heureuse de vous reprendre encore aujourd'hui pour une nouvelle vidéo préparation de la Noël. Donc, je m'apprête déjà à décorer pour la Noël. Alors, dans cette vidéo, je vais enlever les décorations de l'automne de la maison. Je vais mettre en place le nouveau tapis de mon salon et un peu des DIY pour la saison festive de la Noël qui approche. Aimez la vidéo si elle vous plaît, commentez, partagez. Je vais moins parler parce que j'essaie de conserver la voix pour les vidéos décoration Noël. D'accord? Donc on va démarrer. C'était le samedi matin. Le samedi, je prends un peu du temps pour moi, le temps de méditer, le temps de prendre ma douche correctement sans trop me presser, voilà. Là, j'ai commencé directement par enlever mes décorations de l'automne. Il n'y en avait pas aussi beaucoup. Donc, je devais tout enlever, tout ce qui était orange, tout ce qui faisait fallout doit partir au garage. Et puis, la maison va rester vide. Comme ça, je vais mieux m'inspirer pour la Noël. Un peu tout ce que j'ai sorti pour la décoration. J'ai plein de choses, mais
Il me manque encore d'autres choses, donc je vais commencer à décorer et acheter ce dont j'ai besoin au fur et à mesure. Parce que j'ai pas envie de faire beaucoup de dépenses et à la fin regretter. Voilà, peut-être je peux perdre les réussites, il n'y aura pas moyen de retourner ces choses. Voilà un peu, je vous donne l'aperçu de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai. Ça, c'est mon nouveau tapis que j'installe aujourd'hui. Des oreillers, quelques oreillers que j'ai ajoutés. Voilà, j'ai ce miroir-là que j'ai eu à Goodwill. Voilà, je suis en train de voir comment mettre la peinture. J'ai besoin de changer la couleur de ces miroirs-là. C'était 9,99 $, donc 10 dollars à Goodwill. Voilà. Donc, et ça, c'est mon nouveau sapin qui vient de King of Christmas. Je ne l'ai pas encore déballé. Je suis très impatiente de voir. Voilà des petits trucs que j'ai ajoutés tout au long de l'année. Et mes anciennes décorations, anciens sapins, ils sont là. Voilà, je vais faire rentrer le tapis, installer le tapis et puis voir quelle couleur mettre pour le miroir. Et aussi, je vais DIY quelques boules d'ornement. Voilà. À tout de suite. Alors, pour mieux voir et visiter mes décorations, je devais les organiser et les ranger. Voici ce que j'avais comme sapin avant. Il y a ce sapin, il y a celui-ci qui était dans la chambre des enfants l'année passée. Il y a l'autre sapin, le petit sapin qui était au couloir l'année passée. Donc, j'ai voulu voir si les lights fonctionnent et tout et tout. Donc, je les laisse debout comme ça au garage. Et de ce côté, c'est les choses que j'ai rangées. Donc, pour que ça soit facile pendant le processus de décoration, je dois savoir que les boules rouges sont ici, les boules dorées sont ici, les stores de la cuisine sont ici. Donc, j'ai rangé selon les sections. Ça, c'est le nouveau sapin qu'on n'a pas encore ouvert. On va l'ouvrir très, très bientôt. Moi-même, je suis très impatiente. Voilà, là, c'est les couronnes. Donc, j'ai rangé pour que ça soit facile pour moi quand je vais commencer à décorer, que je ne fouille pas ou que je n'oublie pas d'autres choses parce que c'est beaucoup, j'ai pas tout en tête. Voilà, donc vers la fin de la vidéo, je vais vous faire le petit haul des petits trucs que j'ai ajoutés pendant les soldes après les fêtes l'année passée et des petits trucs que j'ai pris à TJ Maxx cette année comme oreiller et tout. Donc vous aurez ce petit haul vers la fin de cette vidéo, mais là je voulais juste vous montrer le petit rangement que j'ai fait. Ça donne envie de la Noël. Oh, je voulais oublier ça ici, c'est les blanquettes que je n'ai pas encore nettoyées. J'ai déjà nettoyé le blanc parce qu'il fallait bien les tremper, bien les laver. J'ai déjà même plié une partie. Ça, c'est le reste des blanquettes que je dois nettoyer. Il y a aussi les essuies pour la Noël, pour la décoration. Et la jupe pour le sapin, voilà un peu. Donc tout est rangé, on continue avec notre préparation. Là, je dois juste enlever le petit tapis là, ça vient de la chambre de Cassie. Donc je vais nettoyer ça et remettre dans la chambre de la petite. Et puis le nouveau tapis va venir ici. Voilà, dans mon garage, j'ai deux tapis pour mon salon, mais j'ai tellement utilisé ça que ça commençait à me fatiguer. Je voulais quelque chose d'autre. Donc, les deux autres tapis, ça reste encore au garage. Et je me suis acheté ce gros tapis. Voilà, j'aime beaucoup. Et c'est le outdoor rug. Donc, ce sont les genres de tapis qu'on utilise dehors, à côté de la piscine et tout. J'ai choisi ça parce que j'ai juste la flemme pour nettoyer les tapis. Et aussi, je n'ai pas encore acheté une nouvelle machine pour tapis. Du coup, je me suis dit que je partais avec quelque chose de simple que je peux même nettoyer à la main quand il y a tâche. J'essuie juste la place là. Et je trouve que c'est joli. Donc, les tapis de dehors, on peut aussi utiliser ça à l'intérieur si tu veux. Et surtout à la salle à manger, ça me plaît tellement. J'aime beaucoup, j'aime. C'était vraiment la couleur parfaite qui va avec mes meubles, avec les rideaux.
C'est juste très beau. C'est un peu dur, mais c'est très beau. Donc, j'ai terminé d'installer le tapis. Je suis partie à Walmart. C'était une journée morose. Je suis partie à Walmart. J'ai pris la longe qui allait me permettre d'installer ou de brancher les lumières de mon petit backyard. Le climat était tellement instable à un moment donné. Il faisait froid, un peu de pluie. Donc, je suis partie mettre les jackets parce que là, il allait pleuvoir encore. Donc, c'était vraiment une journée de pluie. J'ai installé les lumières et c'est très beau. Surtout à partir de l'intérieur, quand on voit les ampoules là aux fenêtres, c'est juste très beau. Je suis impatiente de pouvoir décorer. Cette année, je vais décorer même dehors. Je vais décorer du côté de la route et même du côté du garage. Parce que ma maison est entre deux avenues. Voilà. Oh, j'aime énormément. Dites-moi si vous aimez. Cette lumière, elle vient de Lowe's. Si vous êtes intéressé, elle vient de Lowe's. Et puis, ça ne coûte même pas très cher. Donc, on commence le premier DIY. Je voulais faire un petit nœud que je vais utiliser pour mon miroir de la salle à manger. L'année passée, j'avais utilisé, je crois, une guirlande. Mais cette année, je me suis dit que je vais faire quelque chose d'autre. Je ne mettrai pas de couronne, pas de guirlandes, mais je ferai un petit nœud avec les cloches là et ça va faire trop Noël. Donc, j'attache deux branches là. Ça vient de Walmart, c'était 3 $ quelque chose. Je les attache en forme des nœuds et puis je vais attacher avec un fil et puis je vais ajouter les petites cloches au milieu. Oh, dites-moi, c'est très simple, non? Et ça coûte très moins cher parce que les cloches là, c'était au solde de Walmart, c'était 1 $ quelque chose. Les deux branches là, c'était 3 $ quelque chose. Donc 8 $, ça me fait ce petit projet. Là, c'est les piles. Donc, je vais essayer de remplacer les piles de mes lampes en dessous de la cabinet. Voilà, c'est le très fer.
Le prochain projet, c'est ce miroir que j'ai eu à Goodwill. Donc, je vais essayer un peu de brosser ça avec un peu de peinture blanche, que ça fasse genre les styles des décorations des farmhouse. Donc, je ne vais pas peindre ça complètement. Sinon, je pouvais juste spray, mais je ne voulais pas que ça soit peint complètement. Je voulais juste brosser un peu avec la peinture blanche. Et vous allez voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup. Le rendu en vrai, c'est très beau, mais je ne sais même pas où je vais mettre ça. Vous voyez, tu achètes quelque chose, je ne sais même pas. J'ai acheté parce que j'ai aimé et j'ai pensé au cas où j'ajoutais un peu de peinture blanche au-dessus. Mais jusqu'à présent, je ne sais pas là où je vais mettre ça dans ma maison. Hey Joyce! C'est par ici qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Merci infiniment d'avoir regardé la vidéo. Mais j'avais une question. Vous proposez que le sapin soit de l'autre côté où il y a la plante ou à côté de mon miroir? S'il vous plaît, laissez-moi votre réponse en commentaire. Bye!